Coucou à tous, et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je voulais vous faire partager la Dégustabox. D'ailleurs, il y a eu un grognon ici sur mon carton, donc j'espère qu'il n'y a rien qui est pété. Donc du mois de mars, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. On commence tout de suite cette vidéo par l'ouverture de ce beau petit carton. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, je sors déjà. Donc je vois qu'il y a la petite planche. Il y a la petite planche avec les prix, donc pour l'instant, je ne veux pas me spoiler. On a un bon avec de la marque Zappetit, voilà, et BN. Voilà, donc on commence tout de suite par... Oh! Alors ça, c'est cool parce que pour l'instant, je n'ai pas fait les achats de pack. donc c'est très très bien, j'aurais à acheter quelques petits trucs, mais vu le paquet là, donc j'ai un gros paquet comme ça de la marque Milka. Donc dedans, vous avez quand même 500 grammes. Vu que j'ai mes deux grands, ils vont être très contents et on va pouvoir les cacher dans le jardin. Donc ça va être à coup sûr bien mangé. Je vois ici du pop-corn sucré, origine France. Il y a 75 grammes. Donc c'est de la marque Rigo Pop, Popcorn. Donc ça va être mangé aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Les garçons, ils vont adorer ça. Ensuite... Ensuite, nous avons des BN. Donc, d'accord, je comprends mieux pourquoi on avait un bon de réduction. C'est des cœurs gourmands à la noisette et au chocolat au lait, sans colorant ni conservateur. C'est nouveau. Ça va être mangé aussi. Alors, nouveau, je sais pas ce qu'il y a de nouveau. Ah, si, ouais. Ça fait un peu comme les Nutella. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, il y a quand même 228 grammes. Donc voilà, et vous avez encore autre chose en BN. Ah bah c'est cool, j'ai pas besoin d'acheter de gâteau. Alors des tartes au choco, et c'est au choco noisette de la marque BN. Dedans vous avez 6 sachets, et par sachet vous en avez 2, vous avez 2 biscuits. Donc voilà, c'est fabriqué en France, et dedans vous avez... Je suis désolée, hein, je perds un peu ma voix. Vous avez 200 grammes. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite... Alors, Kuhn, j'adore cette marque-là, surtout pour les cornichons, les gros cornichons, la Kuhn, on adore ça à la maison. Et là, c'est des oignons frits goût bacon. Alors ça peut être pas mal en salade, sandwich, ça va être cool. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça, donc c'est très très bien. Donc ça, c'est plutôt cool, ça va être mangé aussi. Et dedans, vous avez, est-ce qu'ils disent... 100 grammes. Donc en plus après, moi j'avais une copine qui les mangeait comme ça. Ah, encore du saucisson. D'accord. Donc là on a encore un cochonou cette fois-ci de la. Parce que la dernière fois c'était un saucisson, mais je crois que c'était juste un bridou. Et là c'est cochonou. Donc là c'est une ficelle. Voilà, ça va se manger ça. Hein, un apéro. Il n'y a pas photo. Ça va être mangé les gars. Ensuite nous avons quoi? Ah, de la soupe. Légumes du potager. Alors moi, je ne suis pas fan des soupes comme ça. Je vous le dis, ceux qui font les box. Pourquoi? Parce que je préfère les faire moi-même. Ces soupes-là, c'est vachement salé. Il y a énormément de sel. Et moi, je fais hyper attention depuis que j'ai eu mon problème de santé. Donc ça, les soupes comme ça, je suis pas... J'essaierai de voir autour de moi. Déjà, l'autre soupe, je l'ai toujours pas mangée. Donc c'est pour vous dire que celle du mois dernier... Donc dedans vous avez 75 centilitres. Après ça peut dépanner si vraiment en fin de mois on est dans la merde. Voilà comme on dit, hein. On va pas se mentir. On a deux sachets de raviolis. Alors ça les garçons ils vont kiffer. Des raviolis comme ça de la marque Zappetit. Donc c'est nouveau en sachet, hein. Approuvé par les familles en 2022. Le sachet vous pouvez le mettre au micro-ondes 1 minute 30. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça je vais les garder pour un jour où je suis toute seule avec les gamins. Et je sais quand est-ce que je vais le faire. Dans une semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils vont adorer. Donc c'est pur bœuf, tous les deux. Et sachant qu'un sachet, c'est 300 grammes. Donc ça, c'est plutôt cool. Les enfants, ils vont kiffer. Et ensuite, nous avons une boisson. Et c'est le dernier article. Donc je vois que c'est une bière. Ouh! Une Gimbergen... Avec une note fraîche et fruitée. Donc c'est de l'abbaye fondée en 1128.
Brassin de printemps, je connais pas du tout. Bon, je connais la marque, hein, Grimbergen, mais par contre, cette bière, je la connais pas du tout. Alors, bien sûr, hein, je quand même préciser dans ma vidéo, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Il y a 25 centilitres, elle fait quand même 5,5 % d'alcool quand même. Donc voilà. Donc interdit aux femmes enceintes et interdit aux moins de 18 ans, bien sûr. Voilà, donc bah, écoutez, on va regarder tout de suite le prix et surtout savoir c'est quoi le thème, parce que là je vois pas trop en fait. Alors mars, donc le thème de la box du mois de mars, c'est soirée télé. Donc c'est tout à fait ça. Bon, à part la soupe. Pourquoi pas, mais ouais, soirée télé, ouais, pourquoi pas, là, cette fois-ci, ça correspond quand même au thème, parce que le mois dernier, j'ai pas tellement compris. Alors, les appétits comme ceci, les sachets des appétits, le sachet coûte 2,95, donc c'est pour vous dire déjà, ça, c'est cool. Franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, le petit pop-corn comme ceci, là, c'est 95, c'est 95, 85, oh, j'y arrivais, 80 centimes le sachet de 100 grammes, je crois, non, c'est ça? De 75 grammes. Alors, ensuite, le produit du mois, donc, c'est le fameux saucisson cochonou, donc, c'est 3,29 € quand même, hein. Ensuite, nous avons qu'une, les oignons frits au goût bacon, c'est 1,58. Ensuite, la soupe, c'est 2,69. Mais de toute façon, je vais quand même les garder parce qu'en fin de mois, on va pas se mentir, c'est un peu la dèche. Donc, je pense que des soupes comme ça, c'est toujours bon d'en avoir ça. Alors, la bière, la Grimbergen, brassin de printemps. Donc, c'est une bouteille par box. Et par contre, ils disent le pack de 12, c'est 10,35 €. Voilà. Alors ensuite, pour Pâques, donc le sachet, donc c'est quand même pas donné, hein, le sachet Milka comme ceci, c'est quand même 9,09 €. Donc franchement, c'est pas donné. Je trouve que c'est vraiment cher. Ensuite, les biscuits comme ça, BN. Donc celui-ci, il est à 2,15 €. Et pour finir, celui-ci, il est à 2,65 €. Je comprends pourquoi ils mettent des promotions 40 centimes et tout. Parce que j'irai pas acheter ces gâteaux-là. Franchement, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Donc ça, bah écoutez, cette box ce mois-ci est beaucoup mieux, je trouve, que le mois dernier. C'est assez varié. Et pour les enfants, en plus, ça, c'est cool parce que j'avais toujours pas acheté des choses pour Pâques. Donc je vais acheter 2-3 bricoles en plus, mais vraiment pas grand-chose parce que. Là, il y a quand même 500 grammes de chocolat, donc faut quand même pas non plus hein, abuser. Mais je trouve que c'est plutôt cool. La box ce mois-ci, les enfants vont être contents, parce qu'il y a du pop-corn, des gâteaux, il y a du chocolat pour Pâques, en plus les raviolis, ça c'est cool. Non, franchement, je suis ravie de ma box de ce mois-ci. Hâte de savoir ce qu'il y aura le mois prochain, au mois d'avril. Sur ce, j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée, je suis pas trop. En ce moment sur ma chaîne, parce que comme je crois que je vous l'avais peut-être dit dans une précédente vidéo, je suis en travaux chez moi. Là, j'ai eu les enfants, bah, les deux grands qui ont été malades, donc la grippe. Là, maintenant, c'est la petite qui est pas en forme. Moi qui commence aussi. Donc, ouais, j'ai pas trop eu le temps et je vous avouerai que financièrement, action, tout ça, j'ai un. J'arrive pas trop à suivre non plus Action. J'ai un peu lâché le truc en fait. Parce qu'en ce moment, bah, je fais attention. Voilà, hein, je pense qu'on est un peu tous pareils. Si vous avez des idées éventuellement de vidéos, bah, dites-moi en commentaire. Comme ça, bah, je verrai un peu ce que je pourrais faire. Parce que malgré tout, j'y réfléchis. Hein, j'abandonne pas du tout ma chaîne. Hein, c'est juste que là, je fais. Bah, j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos, donc forcément, bah, ça va faire 3 semaines, je crois, que j'ai pas fait de vidéo. Ce sera peut-être la seule de ce mois-ci, je sais pas, on verra bien. Sur ce, j'espère que vraiment vous allez tous bien. Et puis que, bah, écoutez, hein, dites-moi en commentaire si éventuellement vous avez des idées, si vous voulez que je fasse des vidéos sur telle ou telle chose. En tout cas, je vais bien, même si je suis enrhumée.
Et voilà, et surtout n'hésitez pas à aller, toujours aller sur mon Vinted parce que je rajoute régulièrement des choses. Donc il y aura toujours marqué en barre d'infos. Et puis sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. De loin, bien sûr, parce que là, je suis en train de perdre ma voix. Je crois que je vais arrêter la vidéo. C'est pour ça que là, en ce moment, je suis désolée, hein, je suis pas trop dans le mood. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je vais revenir en forme et tout ira mieux. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, bien sûr, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!